Et nous relève l'infini. Et lui manifeste présence de façon extraordinaire. Est-ce qu'on croit ça matin? Même on lève mes en matin. Levez-moi en présence. Emmanuel, il est toujours avec nous, il est toujours là. Amen. Pour chanter tout ce que tu apprends. Il est dans nous en prie. Nous allons partager la vie. Seigneur, c'est force, ouais, les mains dangers. Les tout est pas semblé fini pour moi. Nous voyons comment pasteur a campé pour le moquer la parole.
14 et la parole a été faite chair. Donc, maintenant qui état nous est l'église vient tomber. Maintenant qui ça? Le protestantisme, la chrétienté, particulièrement la chrétienté américaine, maintenant qui ça va tomber. Il est clair que nous plongeons dans une époque de ténèbres qui aboutit inévitablement à une catastrophe mondiale. Donc, il commence ici et nous dit où la mondiale et son catastrophe également qui a bien pour résultat l'établissement du nouvel ordre mondial. C'est ça qu'il faut régler toute activité, ça qu'il faut mener. Il n'y a pas qu'il y ait des bagailles de rideaux, il y a des bagailles que nous ne même connaître. Il y a tellement de mensonges qui couvrent, qui couvaient dans le protestantisme que les bagailles, ça ont commencé à découvrir, les wapines apprennent, nous l'avons encore dans la confusion. Nous songeons, nous tenions la reine Elisabeth. Elisabeth I, donc qui était régné aux environs des années 1558 à 1603, qui était considérée comme une vierge parce qu'elle n'avait pas de mari, donc qui était mariée avec la royauté. Eh bien, nous, c'est mademoiselle qui était restaurée, donc le protestantisme en Angleterre. Est-ce que vous êtes étonné pour apprendre que tout d'abord il était un docteur John Dee, docteur John Dee, qui était astrologue, qui était astrologue, qui a étudié le mouvement des astres, le mouvement des planètes, et puis il fait interprétation pour mademoiselle. Et docteur John Dee, qui était astrologue, reine Elisabeth I, c'est également un sorcier. On a dit ça. Il est un sorcier. Sorcier rénant. Qui t'a invoqué des esprits démoniaques pour être capable de joindre ça à nous la connaissance secrète. Donc, la connaissance secrète là, c'est une pratique qui est utilisée par ça à nous les rosicriciens pendant des siècles. Eh bien, nous voyons que Dr. John Dee, c'était chef de la société des Rosicriciens dans le pays d'Angleterre. Donc, nous allons noter bien que racine, attendez bien, racine pour mot démon, nous comme ça le dit, il signifie un monde qui connaît. C'est une qui connaît, ça veut dire qui connaît secret, une qui connaît secret, une qui connaît connaissance, la connaissance profonde. C'est racine, mon démon. Parce que mon qui n'a le démonisme, c'est mon qui connaît des secrets profonds. Mon qui connaît des secrets profonds. Donc nous voyons que les Rosicriciens étaient tellement désirés qu'on ait les secrets de la science. Ça veut dire qu'il y a connaissance de la science, ils ont consulté des démons pour être capables de recevoir les informations. Donc, moi, nous, les fois, connaissons une pratique également qui est entrée dans le protestantisme, parce que nous avons des qui protestants, pasteurs, qui ont pu pratiquer, ça nous relie la sorcellerie, qui ont pu pratiquer le démonisme, qui ont cherché des secrets. Ça fait qu'on s'est débarrassé de vous, pour pas connaître, tant de nez qui ont fait guérison, tandis qu'il a prêché comme si ça avait eu la prospérité, il faut qu'on ait sous bail, mais ça va bien. Ça va bien, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Donc, il y a des pratiques démoniaques dans les choses que nous devons consulter des démons, il y a consulter des esprits. Donc, où est-ce que dans l'église, l'organe où on s'est réglé activité, on comprend l'esprit modèle, tandis que ça nous est le spiritisme. Le spiritisme. Ok? Donc, spiritisme, ce n'est pas Saint-Esprit. Donc, l'on parle du spiritisme, c'est ça, la pratique, d'invoquer des esprits. Des esprits. Donc, c'est ça, c'est la pratique des 10 heures de bonnes aventures.
Donc, on cap chercher qu'on est, cap chercher des secrets, des secrets profonds. Donc, nous voyons que, à un moment donné, docteur John Dee, il était remettre le leadership de la société des Rosicruciens, donc à un proche associé qu'il était gagné, c'était sœur, c'est-à-dire monsieur, qu'on est en anglais sœur, donc Francis Bacon. Donc, monsieur lui-même, déclare également qu'il était toujours continué à mettre en contact avec des esprits démoniaques, y compris une déesse qui est le palace Athéna. Donc, monsieur fait connaître que Bacon, Francis Bacon, servant Francis Bacon, qui devient responsable, ça relève la société des Rosicruciens. Eh bien, monsieur te fait connaître qu'il était dépend de palace Athéna. Comme ça nourrit les one source d'inspiration. Eh bien, nous, c'est même Bacon ça qui vient entrer les secrets du rosicrucianisme dans la franc-maçonnerie. Donc, dans mes moyens, nous voyons que le syncrétisme qu'a pratiqué Jodia dans le milieu protestant, donc, il paraît dans les prières pour la prospérité et les prières pour côté des gens fait similaire. Nous faut qu'on ait fait miracle, mais c'est similaire qu'on a fait. Donc, dans nos pratiques démoniaques, ils ont entré dans le protestantisme. Et je dis à eux, ils sont très courants, ils sont très populaires. Et nous faut qu'on ait que dans l'église, il y a une magie. Mais nous t'avons aimé quelque chose, ouais, qui ça mon Dieu. Comment mon Dieu mettez-nous en garde? Ça fait que mon cap parti bien loin dans les miracles. Tandis que nous avons sauté, voyagé. Voilà quand on s'est des prédicateurs ou dans la TV. Donc, cap dit, il y a un miracle. Il y a 40 jours de miracle bien fait. Il y a un moment, il y a un réveil de miracle. Et bien ça, moi qui t'aime dit. Puis le monde s'est trompé. Donc, par ces 10 heures de bonnes aventures, sous prétexte que il a opéré, il a fait miracle, il a dit au bail, il dit bon miracle qui va le faire. Vous avez entendu, il n'y a pas de balai comme ça. Bail, bon miracle qui va le faire pour vous. Il va le faire rien pour vous, parce que bail là, mais quand est-il des gens qui baguent pour le bail? Moun ki pa gen pou yo bay, pa gen pou yel fè pou yo, yo pa presevwa nan men bon Dieu. Donc, c'est là le problème. Bay de pou bay, yel fè priye pou ou, donc son bay la a multiplié. Mais gen moun ki pa gen pou bay. Gen moun ki pa gen pou bay. Donc, c'est là où besoin de comprendre le truc là. Lévitique 19, un sale bon Dieu, dit, parce que comme moi, c'est un bagay qui est très courant dans le protestantisme, un haïtien, plein d'argent, pour nous attendre tout 40 jours. C'est pour délivrance. Pas de monde qui a cherché mon Dieu, pas de monde qui a demandé mon Dieu la sanctification, pas de monde qui a prié, qui a cherché mon Dieu pour être capable de plus près mon Dieu, pour mon Dieu capable de révéler à lui-même. Tout 40 jours, c'est pour délivrance. C'est 40 jours de délivrance. Donc, c'est ça qui a cherché. Qui délivrance? Délivrance matérielle. Donc, c'est ça. Délivrance matérielle. Prospérité. Ça fait mon entrer dans le diable pour être capable de faire miracle. Mon entrer dans le diable pour être capable de tromper mon Dieu. Capable de manipuler le monde. Ils ont invoqué esprit, des esprits de démons. Attendez bien. Bon Dieu te dit aux enfants d'Israël, non. Lévitique 19, verset 31, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Donc ça me dit à le courant, parce que nous connaissons aujourd'hui tout esprit, dans l'église, nous avons des conseils d'esprit qui ont manifesté, tandis que ce n'est pas l'esprit bon Dieu. Bon Dieu dit ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'en ai moins qui t'aime aujourd'hui. Il y a un pile souillure, un pile malpropreté dans l'église. Et dans ces derniers jours, il faut que nous disions, pratique ça avec très courant. Et je dis à nous, le protestantisme, moi, on a vivre dans le mélange. Ça nous est une sorte de syncrétisme. Côté toute bagaille, vient entrer dans l'église. Donc, il fait ça relayer un amalgame. Et nous, nous sommes là-dedans. Donc, nous avons bataille. Donc, encore,
bon Dieu qui te mettait, même bon Dieu qui te mettait les enfants d'Israël en garde là, c'est même bon Dieu ça n'a servi. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui mettait nous en garde. Encore dans Lévitique 20. Ok, Lévitique 20. On nous voit ça bon Dieu dans verset 6 et 7. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. T'as regardé dans la télévision pour m'écouter, et un bon monde couché devant chair, et puis bishop là, couvrir avec drap blanc, et puis moi, monsieur, monté sous yo, couché sous yo, sous drap blanc. Quand t'es mal porté comme ça, t'es mal porté comme ça dans la Bible? Non, pas rien dans la parole de Dieu. Donc ce sont des manifestations démoniaques. Donc, nous couchons en bas de la blanc, et puis évêque monté couché sous yo. Couché, nous comprenons que ça veut dire couché. Donc, couché sous yo, monté sous yo, couché sous yo. Côté nous connaissons bagaille comme ça. Mes amis, par la grave, par la terrible. Donc c'est ça qu'on y a dit. Courant. C'est ça courant dans le protestantisme. C'est ça qui courant. Donc, vous êtes capable de penser à servir mon Dieu, tandis qu'on a alliance avec des démons. Avant d'aller plus loin, nous considérons Deutéronome chapitre 18. Dans Deutéronome 18, verset 10 à verset 12. Mais ça a bon été dit aux enfants d'Israël. Quand elle touche trois personnes qui fassent passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou qui dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. N'oublie pas. Que bon Dieu te dit Israël, ma barre en tête, côté l'état qui l'a coulé. Nation qui m'a chassé devant toi. C'est pratique ça que tu es fait. C'est ça que tu es pratiqué. Ou même chassé pour me pays. Ou même te suivre. Non, même pratique. Tu es connu, même bagaille que tu es pratiqué. Donc, je dis assez grave. Nous, les gens dans l'église pas intéressés dans les affaires de Dieu, ils pas intéressés dans l'étude de la parole de Dieu, ils pas intéressés dans les choses spirituelles, ils pas intéressés dans la sanctification, ils pas intéressés dans chercher présence permanente de Dieu pour qu'ils connaissent ces sources de bénédiction, ces sources de joie, pour qu'ils connaissent ces sources de providence, pour qu'ils connaissent y a servi un bon Dieu qui connaît besoin, avant même d'ouvrir bouche, ils n'ont pas besoin. Oui, des 10 heures de bonnes aventures, car offrir des miracles, car vendre des miracles. Bon Dieu, pas vendre miracles. Bon Dieu, pas vendre la parole. Bon Dieu, pas vendre bénédiction. Bon Dieu, pas vendre bagaille. Bon Dieu, va nous des avertissements très précis au sujet de l'invitation. Ok? Au sujet de, nous t'a dit, invocation des esprits démoniaques, des morts. Et nous pratiquons ça, c'est le spiritisme. Et nous, en pile, nous qui les têtes, nos pasteurs, leaders évangéliques, ils ont abusé la vulnérabilité de ça, nous, les deux, nous, des adeptes, la vulnérabilité des membres, la vulnérabilité de ça, qui croient dans eux, pour être capables de manipuler. Donc, nous avons un texte, nous avons consulté ensemble avec vous, en nous gardant, c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Dans 1 Corinthiens 10, nous allons lire le 1 Corinthiens 10. C'est verset 20 et 21. Mais plus particulièrement, c'est le verset 21 que nous besoin. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ici, Paul a fait une distinction entre le service de la Sainte Cène
et l'idolâtrie. Parce que nous, ouais, côté Mounio, donc, il était mal comprendre le repas du Seigneur. Il était mal interprété le repas du Seigneur. Donc, Paul Tabayo, ça a eu des avertissements. Comment il est capable de pratiquer ça nous relie le repas du Seigneur, comment il est capable de distinguer entre le service de la Sainte Seine et l'idolâtrie. Parce que il y a un pile monde, ok, un pile monde, dans la pratique, j'ai considéré les choses, donc nous, ouais, monde, ça l'a fait, il fait avec ça, il y a une attitude païenne qui n'a pas aucun rapport avec la parole de Dieu. Donc, maintenant, nous voyons que gagner un certain de monde dans le sacrifice que vous avez semblé à faire, vous avez compris que c'est pour bon Dieu à faire. Mais cependant, Paul dit que c'est à des démons qui ont sacrifié et non à bon Dieu. Il te mettait en date, il dit que il parlait pour être en communion avec les démons. Parce que pas de mélange entre la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Nous avons accentué sur ça bien. Pas de mélange, pas de relation, ou pas de mixer ensemble. Donc, c'est un gardé pour conseiller des pratiques dans l'évangile bien aimé. Tenez bien, ce n'est pas service, mon Dieu. Ce n'est pas service, mon Dieu. C'est culte, mais il faut apprendre à des je ne sais quoi. Il faut être capable de distinguer une bagaille qui a fait pour mon Dieu avec une bagaille qui a fait pour Satan. Automatiquement, il y a des éléments étrangers qui viennent entrer là-dedans, qui ne sont pas justifiés par la parole de Dieu. Ou besoin qu'on ait en affaire avec Satan. L'homme quand il a prêché l'évangile, qui est anti-évangélique, l'a dit une bagaille qui est anti-évangélique, qui va entrer dans le cadre évangélique, ça veut dire qu'on a besoin qu'on ait l'inspiré de Satan. Ou qu'on doit comprendre dans l'église, ou qu'on doit comprendre le côté où on l'adore, c'est bon Dieu à l'adorer, tandis qu'on adore Satan. Et ces bagailles nous est clairement, il y a une histoire que nous, ouais, même à travers YouTube, bagaille qui a passé en Haïti, dans une série de cultes, S.O.L.I. Donc, pour les gars laver tête, S.O.L.I. a vidé de l'eau sous tête, yo, et puis, au gado, ouais, on a paré galon en bas, pour prendre l'eau avec tout barbe, qui a sauté dans la bouche, mon nom, et pourtant, il y a 20 gallons, galon ça, 200 dollars, qui contrôle le bagage ça? Ça, c'est pratique diabolique, bien aimé. C'est le culte des démons. Vous avez besoin de comprendre ça. C'est le culte des démons. Et comme nous dit, notre objectif, c'est d'étudier la parole de Dieu pour que nous capables de préparer nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous t'en aimons lire ensemble avec nous encore un passage que nous joignons dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est au chapitre 5. Il dit, pour ce qui concerne, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le Seigneur, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors il soudain les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils échapperont moins. Mais vous, frère, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque
l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Notez bien, c'est un passage. Nous voyons qui marchait côte à côte avec la promesse de l'enlèvement qui fait dans chapitre 4. Là. Chapitre 4 là, il parlait de l'enlèvement. Dans chapitre 7 là, il parlait du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur cap fini comme voleur dans la nuit. Et la Bible dit pour nous, nous pas besoin de fatiguer nous parce que le jour ça a, il va prendre par surprise. Pour quelle raison? Parce que moi avec Nathan, notre Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous développer une relation intime en tant que fiancés, nous connaissons bien pour venir chercher nous à n'importe quel moment. Ton père n'a rien pour le sonner. C'est ça qui fait qu'il n'a pas dormi, que Dieu nous plaît. Nous toujours à veiller, nous déjà préparés. C'est cette préparation qui n'a pas parlé. Parce que nous voulons faire connaître que l'enlèvement de l'Église, sans mi moins, qui est capable d'arriver à n'importe quelle heure, surtout, nous vivons maintenant dans des moments difficiles dans le pays États-Unis. Donc, moi, il faut comprendre que c'est exactement l'heure, c'est une époque qui m'a demandé pour moi à même, pour nous à jamais préparer nous. Parce qu'à n'importe quelle heure, nous ne pouvons pas nous arriver. D'ailleurs, qui te nous dit, l'Église, dans l'heure qu'on y a, ça nous est l'heure de la persécution. D'ailleurs, la persécution est déjà là. Et nous croyons que c'est un bagage qui est inévitable. D'ailleurs, si vous regardez après ici dans le pays États-Unis, donc quand conservateur pas gagné accès dans sa relais social media encore, bon paquet de mille évangélistes, un paquet de mille pasteurs, donc social media, t'as pour Twitter, Instagram, en Facebook et même YouTube. Ils ont retiré et ils ont censuré tout ça a dit. Donc nous devons comprendre que le message de l'évangile n'est pas populaire, n'est pas populaire pour les gens. Donc nous mettons attendre nous. Donc c'est le premier bagage qui vivait et pendant ce temps, nous voyons qu'il y a des séparations qui fait entre ça l'église, ça les chrétiens et bâtiments côté qu'on rencontrait. Donc pendant que yo retiré dans bâtiment yo nous pas gagne droit rencontrer en nous garder pour moi dans tout état qui gagne ça le gouverneur libéral, nous une situation vraiment terrible, vraiment grave. Donc il faut qu'on est pas capable de rencontrer soit lui ou pas réuni, mais nous besoin comprendre que qui côté ça va arriver pendant que moun sa yo nous utiliser ça les social media et qu'il y a il faut qu'on est que il y a une série de messages qui normalement pas relevant message ça yo yo pas correct pour social media, donc yo seulement retiré dans l'air et nous attendons à ce que ça va finir concrétiser dans les jours à venir. Donc et comme nous toujours connaissons, en tant que chrétiens nous avons un devoir pour nous capables avertir parce que bon Dieu relève nous comme des sentinelles pour nous sonner très haut. Donc, qui ça l'habite? En tant que sentinelle, sous un malheur à venir, sous sonner très haut, les gens tendent, ils n'ont pas porté attention, malheur tombé sous eux, bon Dieu dit sang a tombé sous tête. Mais si vous sonnez très haut, et vous tendez très haut, et vous prenez les dispositions qui vous devront, donc, moun sa yo, y a sauvé tête yo.
Mais si en tant que sentinelle, ou est malheur à venir, ou pas son éclairon, et vous ne prenez pas surprise, bon Dieu dit, sans mon Dieu, à tomber sous tête, la pando pour un compte. Donc, plutôt, vous méprisez, ça vous dit en tant que sentinelle, plutôt vous passez dans la bêtise, en tant que sentinelle, passez pas son éclairon. Donc, c'est peut-être ça, nous voilà à la disposition pour nous son éclairon. L'enlèvement de l'église nous dit, nous ne pouvons pas suspendre le béton ça, la bonne surprise. Et l'enlèvement de l'église, c'est le plus grand événement catastrophique qui a jamais arrivé dans ce monde depuis son existence. La plus catastrophique que la Première Guerre mondiale, la plus catastrophique que la Deuxième Guerre mondiale, la plus catastrophique que la fièvre espagnole qui a dit fait environ 23 millions de morts, la plus catastrophique. Pour quelle raison? Avion qui a tombé en quantité. Bateau qui a fait naufrage à monter sur le récif, frappé à l'autre bateau. Et sur nos autoroutes, et m'en demande pardon si son bagage qui fait dans la nuit, ou bien son bagage qui fait dans l'après-midi, parce que il y a un pays, l'après-midi, il y a un pays, l'après-matin, il y a un pays, l'après-midi, parce que nous connaissons à travers le monde, mais nous varier. Figurons un bagage comme ça. S'il fait dans le matin, entre 6h à 8h du matin, ou bien entre 4h à 7-8h, pendant que nous gagnons ça, les heavy traffic, nous prenons le travail, nous prenons ça privé, après en pile collision, en pile machine à craser, en pile machine à tomber dans la mer, qui sous pont, et là, en pile police à disparaître, là, vous n'y a il y a allé dans la machine, il y a seulement une radio. Figurez combien de docteurs dans l'hôpital qui étaient dans l'opération. Ou bien, docteur a fait une opération. Voilà que nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, nous sommes allés, mais docteur pas de connaître, bistouri docteur en amène. Ou bien, les gens docteur en amène. Ou bien, nous n'avons pas de Christ. Docteur est chrétien, infirmière est chrétien. Et puis, tombez la sonnette, boum, docteur est allé. Là où vini, il y a un docteur à terre, il y a un infirmière, il y a un mistourier, tout le monde va poser des questions. Nous voulons faire, par contre, sur changer. Quelques années passées, donc c'était dans California, tu as un groupe de 36 monde qui fait partie d'un culte, une fausse religion, qui te suicide tête, yo, tu te bois poison et puis tu te quitté notre pour faire connaître que y aller dans l'autre monde. Et nous connaissons une théorie qui développée pour faire connaître que y a un alien qui est venu pour venir chercher le monde sur la terre. Donc nous devons comprendre que c'est une politique de manipulation qui vient de lancer les enlèvements de l'église, la fête, pour faire connaître que c'est OVNI, ou bien ça nous est un objet volant non identifié, UFO, qui vient prendre ça. Mais malheureusement pour nous, elle n'a pas passé bien parce que il y a une pile quantité de monde qui est dans l'église qui te tend des messages là, qui va râler. Donc vous-même, par contre, s'il y a bien courage pour camper pour démentir le message là, et comment vous allez le faire vous-même, s'il y a bien courage, parce que si vous n'y a, les plaisirs de ce monde, manger dans le monde là, bien dans le monde là, matériel dans le monde là, il ne faut pas capable de servir mon Dieu, m'a demandé l'église l'enlever, et ce dit. Situation parle tellement difficile. Côté pour manger, il faut qu'on oblige à accepter pour entrer dans le compromis. Est-ce qu'on est capable de supporter? Quittez-moi de dire. Si vous n'y avez pas, vous avez loisir, mais vendre, manger, les choses matérielles de ce monde, les plaisirs de ce monde, il ne faut pas capable de servir mon Dieu ou rater l'enlèvement. Et maintenant, de vous est-ce que c'est la période de grande tribulation pour vous être capable de supporter? Ou pas l'accepter pour grand goût, moins douter. Donc, sans moi, étude nous gagne pour but, pour capable, fort qu'on ait que, ou besoin de parler. Donc, nous gagnons un article là. Donc, nous t'aimons, pas qu'on parler, en passant sur lui, c'est ça nous relève de Wormwood Prophétie. De Wormwood Prophétie. C'est la prophétie de l'absinthe. Donc l'absinthe là, c'est une étoile qui d'après Apocalypse chapitre 8, c'est ça nous relève un astéroïde qui a gagné
pour faire collision avec la planète Terre. Au sujet des ballons de 1981, nous avons un homme, ça, Bill Maher, qui te dit que il y a un alien qui est le Quetzalcoatl, qui fait le connaître que vendredi 13 avril de l'année 2029, il y a un astéroïde qui a fait collision avec la Terre. Tout d'abord, nous voulons faire connaître qu'il est Quetzalcoatl là. Et Quetzalcoatl là, c'est le dieu de la religion. Mayen, c'est le dieu de Mayen. De Mayan, ça veut dire son goût. Indien qui n'a pas. Ça veut dire Amérique centrale. Nous avons également au Mexique, nous avons en Amérique du Sud. Donc nous connaissons que nous songeons en 2012, il y a une prophétie qui est faite, côté où tu parlais de la fin du monde. Et nous, ouais, monsieur, tu es venu avec un seul message, c'est Mother Earth, Mother Earth. Côté de nous, tu as demandé l'adoration pour la planète Terre. Et la planète Terre, nous connaissons également dans la religion mayenne, nous avons le Gaïa. Donc, qui c'est également un démon. Mais voilà que monsieur Oble faut adorer la planète Terre comme maman, tandis que Gaïa, c'est ça nous relève un démon. Donc, j'en dis moins, pour pas qu'il y ait de complications dans le bagage, c'est ça que fait. Donc, le monde qui ne connaît pas facile pour Satan capable de séduire. Parce que, pas oublier, Satan sont intelligents, ils déguisent dans l'œil de lumière. Eh bien, nous voulons faire connaître Quetzalcoatl qui s'allie, c'est le dieu des Mayans. Donc, son dieu. Cannibale qui gagne en forme tête coque et ses chèvres manger. On est bien. Pas oublier les paroles des Mayans, c'est un groupe indien. Les Oélis, donc, nous avons toujours là, il y a un coq, calendrier par eux. Les Oélis, et d'après calendrier, on dit fort qu'on est que la fête a fini, on est à ce cheval, on a le bagage avec, on a fait gros scandale, gros bruit. Eh bien, chers amis, voilà que M. Teddy, son alien, il y aurait les Quetzalcoatl, qui fait le connaître 13 avril 2029. En collision qu'a faite avec la Terre. Et voilà que M. Nazaire, comme moi, il a passé ça dans bêtise. Cependant, un quart de siècle après, nous avons découvert qu'il y a un astéroïde qui est en direction de la Terre. Donc, un astéroïde là tellement loin, il a couru à une vitesse vertigineuse. Je crois que c'est pas songer si c'est. Pas songer encore combien. Combien de millions, quoi, c'est 140 millions de miles, soit par heure, par songe exactement, en tout cas, la courir à une vitesse vertigineuse et la privée sous la Terre. Donc, 13 avril de l'année 2029. Et ça privé, c'est que, d'après la première déclaration NASA, il a fait nous connaître la Terre en sécurité, n'est pas passé. Pas faire collision avec la Terre, tandis que les gens font ça, il y a une erreur mathématique, attendez bien, ouvrez oreilles, les NASA ont fait une erreur mathématique par rapport à calcul que vous faites pour ça, les trajectoires astéroïdes là, et bien, il y a tout le monde paniqué, et c'est une raison qui fait, il n'y a pas de ça, mais ouais, le président Donald Trump est venu avec ça, il y a une force spatiale. Qui est considéré comme une sixième branche de l'armée, et pour y avoir tous les gouvernements du monde, ils ont feu vert à toute organisation qui est capable d'aider pour capable foncer des bagages dans l'espace. Et ça fait Elon Musk paraître avec sa OLE. Donc, plan Pali pour mettre 1 million de monde avant 2029 sur la planète Mars pour commencer une nouvelle colonie. Et bien, ça qui doit là, c'est que M. Nazario, avec les Australiens qui découvrirent. Astéroïde là, nous comptons comment il est Apophis. Et qui ça Apophis là est? Apophis là, c'est le dieu, c'est le dieu de la destruction de l'Égypte. Apophis, son dieu égyptien, c'est le dieu de la destruction. Et la Bible déjà montre nous. Lors de l'Apocalypse, chapitre 8, tout d'abord dans le verset 1er, il montre avant, bagay sa fête à mon silence de demi-heure sur la terre. Tendez bien. Noël, les hommes ont fait bruit, les hommes ont parlé en pile, les hommes ont tracassé quoi, les hommes comprennent, par un bon Dieu, comprendre c'est un bon Dieu, ils ont fait plan pour détruire, ils ont fait toute qualité de plan, qui te dit, les bons dieux ont frappé la terre. Donc tout le monde va le tomber en silence. La Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 8, verset 1er, a gagné un silence.
silence sur la terre. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Un silence de demi-heure qu'il y a dans le ciel là, parce que bon Dieu, voilà, entre en jugement avec les habitants de la terre. Il dit, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et les sept trompettes qui leur font donner. Et un autre ange vint, et il s'était sur l'autel, et en allant s'asseoir dehors, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, etc. Et bien, qui s'allume, verset 7. Le premier sonna de la tempête. Et de la grêle, et puis fait, tenez bien, c'est pas métaphore. C'est pas métaphore. Après nous, ça, c'est pas métaphore. Comment le monde va courir devant mon cas, qui comprend, il est capable, comme si tu as douleur, bah, il menti, ça va faire échapper pour le bon Dieu. Non! Tenez bien, il est littéral. Zombie, moi, nous avons fait des mots en littéral. Là, le ballon de la grêle, là, il est littéral. D'ailleurs, là, la regardé pour moi, les bon matos, qui sont tombés, qui ça dit. En étant qu'on est, Jean, 2000 ans passé, on voit moins. Donc, l'un de la bagarre a tombé, ils sont en liaison avec l'air. Parce qu'il va qu'on a fait bagarre atomique. Ok? Il va qu'on a fait bagarre atomique. Il va qu'on a fait bagarre atomique. Il va qu'on a fait scientifique ça. Mais j'en décris ça l'ouer. Mais je dis à nous comprendre ça lié. Et ça fait nous toute nation. Il y a un genre, il y a un zame atomique, il y a un zame neutron. Toute qualité ça. Donc les bagages sont en l'air là, tombés sur tête. Qui ça l'est? Pas que tu connais. Donc, j'en dis moi, la Bible dit qu'on grande montagne embrasée, ça veut dire qu'il charge avec du feu, qui te montagne sur l'air. Qui ça dit? Astéroïde. Non, astéroïde. La Bible frappée. La frappée, la tombée dans la mer. La Bible dit le tiers de tout ça dans la mer devenu dissant. Tiers de toute créature dans la mer a mouru. Qui t'a dit pendant la parole avec moi, nous sommes dans Californie. D'ailleurs, Dieu est en prévoir qu'il a frappé en Californie et Mexique. C'est là la tombée. Eh bien, est-ce qu'on connaît qui ça, monsieur, scientifique, ouais, c'est que bon série de gros poissons, gros bêtes dans Californie. Est-ce qu'on est capable de sauter dans la mer? Vous comprenez? Yo, tant de voir mon Dieu, tandis que vous, pas tant de voir mon Dieu. C'est même bagaille qui est arrivé lorsque nous avons gagné un tsunami qui a frappé dans l'Indonésie, ou gardé la montagne, tandis que vous, pas comprendre. Frère, soeur, moi, ou même quand tant de soi, tant de quoi, pourquoi si vous entendez? Mais Dieu dit dans quoi ça, vous entendez? Bon, nous allons passer dans la prière, nous allons passer quelques moments dans la prière. Comme nous te disons, ma prédine encore, nous avons traversé des jours sombres. Nous avons traversé des jours sombres. Nous vivons dans le pays États-Unis. Et nous sommes États-Unis sur le point d'être effondrés. Effondrés spirituellement. Parce que nous croyons que la persécution a déjà commencé. Nous sommes économiquement. Quittez tout ça pour arriver. Nous avons un projet de Green Deal. Parce que nous connaissons pendant l'administration ça, nous avons là, sous pouvoir. Donc nous avons gaz là descendre. Parce que d'après plan administration, nous avons voulu rendre les États-Unis donc libre pour ne pas dépendre de pays étrangers encore pour énergie. Surtout les pays islamiques qui sont émis pour ne pas dépendre de eux. Pour énergie. Eh bien, tandis que l'autre administration qui a venu, il a coupé tout le bagaille, donc nous allons redépendre encore des pays du Moyen-Orient pour gaz, pour énergie. Et nous allons prévoir qu'un gallon de gaz doit monter entre 6 à 10 dollars. Donc, premièrement, il faut qu'on ait dans 10 ans. Il y a besoin de dépenser 100 trillions de dollars. 100 trillions de dollars pour ça le programme Green Deal. 100 trillions de dollars. Notez,
bataille, mon autre, ça, sans triomphe. Donc, et nous connaissons qu'il y a un pile. D'ailleurs, dans New York, nous avons environ 40% dans le small business qui fermait et nous qui pas capable d'ouvrir encore. Avec le coronavirus là, qui crase l'économie. Donc, Californie, avec côté, il y a un déficit 43%. Donc, pas qu'il y ait pile monde move, pas qu'il y ait pile business move. Il y a l'autre côté. Donc, il y a ça fait, il va le monter. Il va le monter. Ça a relé. Donc, taxes. Il est remonté taxes. Qui est-ce qui va le payer taxes là? C'est moi avant qui travaille. La classe moyenne. Donc, cela veut dire que les gallons galvinent 10 dollars et vous montez taxes sur vous. Donc, vous ne pouvez même gagner l'argent pour bailler forme et vous manger. Eh bien, qui ça va arriver? Vous allez encore faire face à une crise économique et cette fois, attendez bien, irrémédiable. Il est plus à irrémédiable. Et nous allons prévoir, nous allons dire ça, il y a une crise. Vous voyez, une crise dans ça, il y a une industrie, donc maison, the housing industry. Il y a une crise. Donc, chers amis, et nous voyons côté au rang, ça, il y a une rendre le vaccin mandatoire. Tandis que moi, j'ai un. Yon bagay la, yon geta censuré, yon geta retiré. La magay yon ni. Donc, c'est un docteur qui a témoigné devant le congrès comment vaccin est dangereux. Yon mette ça yon la dans les nanoparticules. Et monsieur yon dit yon pas même fait étude pour yon connaître qui effet. Donc, un négatif nanoparticules là. Et yon prévoit que d'après étude yon fait sous bête. Donc, nanoparticules là pénètre directement dans le cerveau. Il a pénétré dans le cerveau, capable de causer Alzheimer et bien d'autres cas de maladie encore qu'il est capable de causer. Donc, attendez bien. Mes amis, moi, c'est ça que fait. Il y en a paraît que censurer. Parce qu'il y a une série de nouvelles. Il y a pas de vous connaître. Donc, tout le monde qui a dansé, vous va rappeler que vous avez dit, vous avez dansé, mais veillez, puis devant, l'on tombé sous derrière. Pas capable de lever et pas bien pour longer mes barreaux. Donc, pas oublier la Bible dit nous dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, que Satan, c'est un ange de lumière qui est lié. Donc, c'est ça qui fait le déguiser en ange de lumière. Donc, pour le capable de tromper nous. Et c'est ça qui fait nous également, il y a des serviteurs, il y a des ministres. Qui déguisent également en ange de lumière, même là, avec ses pasteurs qui te fait prier ça, il a fini prier. Il dit fini prier. Non, non, Dieu est noir. Non, non, tout l'autre, Dieu, dans toute l'autre religion. On connaît ça par un protestant. Il bat bravo. Il rit prier ça. Il est content. Content. Donc, on connaît ça. Donc, bat bravo. Vous pensez à mes bagnoles?
Nous allons passer un moment de la prière. Donc, première requête de prière à faire, la demandé mon Dieu pour être capable de faire l'église la force, de faire l'église la résistance, pour l'église à faire face au jour mauvais, capable de coucher. Donc, c'est la première requête de prière à faire. Donc, par contre, une position libre. Donc, qui sont les faits? Comment vous voulez approcher pour côté monde? La chantillon strophe, la mort avec Christ, d'une mort volontaire, c'est 183, section française. Mort avec Christ, d'une mort volontaire, je vise au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui. Sur les scorpions, nous va marcher sur toute la puissance du mal et on va pas capable de faire nous rien.
Seigneur, nous bénissons Asoya parce que vous êtes Seigneur notre garantie. Ou c'est Seigneur notre paraclet, Seigneur paracletos, c'est cela qui campe bon côté nous, pour capable protéger nous, pour capable veiller sur nous. Merci parce que c'est bon Dieu qui a veillé sur nous. Merci parce que c'est bon Dieu qui a fait route pour nous. Merci, c'est bon Dieu qui a placé chemin pour nous. Merci Seigneur, parce que vous c'est pour nous, vous refuge, vous appui, comme serviteur là, dédié, vous secours qui ne va jamais manquer dans la détresse. Merci Seigneur, parce que vous c'est lumière qui chasse nos ténèbres. Seigneur, assoya, nous venons prier pour chaque frère, nous prions pour chaque soeur, nous prions pour chaque prédicateur de l'évangile. Seigneur, il y a des gens également qui ont prêché, c'est au prix de leur vie, parce que nous connaissons la vie, nous, Seigneur, déjà exposé d'ailleurs, nous entourés avec de faux frères, nous entourés avec de faux pasteurs, de faux ministres de l'évangile qui déguisés en ministres de Christ, mais qui c'est Seigneur des ministres de Satan. Nous, Seigneur, nous entourés avec des faux frères, qui c'est Seigneur des traîtres, qui Seigneur, oh Dieu, chaque jour a médité du mal contre nous, peut-être la vérité qu'elle a prêché, Seigneur de l'amour, parce que n'est pas capable de supporter la vérité, n'est pas capable de tolérer la vérité, n'est pas capable d'accepter la vérité. Ainsi, ils ont tenté à faire nous du mal. Et si ils ont frappé avec mes yeux, c'est parce que ils ont beaucoup une occasion, Seigneur, c'est parce que jusqu'à présent, ils ont rôle sur vous. Mais Seigneur, dans le cœur, nous connaissons déjà fini avec vous. Seigneur, nous prions à souhait, attends, oui. Entrez, Seigneur, dans le cœur, bien-aimé nous. Entrez dans le cœur, frères et sœurs nous. Entrez dans le cœur, jeunes garçons, jeunes filles qui dédient la vie, Seigneur, pour nous servir. Seigneur, tant que nous bravoure, Seigneur, de l'amour, de l'énergie pour nous camper pour vous. Seigneur, il y a un pile qui est en danger, nous connaît. Le diable, surtout, a fait des efforts, Seigneur, pour capable de troubler nos enfants, surtout nos jeunes garçons, nos jeunes filles. Seigneur, je dis à nous gagner, au lieu d'amour, monde qui prétend que c'est chrétien, vous connaît la Bible, vous connaît, Seigneur, au lieu d'amour, les langues bibliques, Seigneur, au lieu d'amour, en fait des critiques destructives de la parole de la Bible, pour dire que la Bible mentit. Mais nous connaissons que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. C'est lui qui mentit, mais quant à ta parole, Seigneur, la tombe éternellement. Nous connaissons ta parole, est la vérité, Seigneur Dieu d'amour. Nous connaissons ta parole, c'est la vie. Nous connaissons ta parole, l'hypothèse de la lumière. Seigneur, aide-nous pour nous capables d'embrasser parole là, pour nous capables de croire dans la parole là, pas quitter Timoun nous, croire dans le mensonge, pas quitter Timoun nous, Seigneur, tendez des athées qui ont courtisé, Seigneur Dieu d'amour, dans social media, dans des actes diaboliques, des actes, Seigneur, qui appartiennent aux satanistes, Seigneur, pour capable, oh Dieu, solliciter, Seigneur, l'amitié de nos enfants, non, pour être capable de troubler, Seigneur, la prière, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Entrez, Seigneur, là, caille chaque chrétien, dans chaque famille, Seigneur, assois chaque famille chrétienne, côté qui vient des jeunes garçons, des jeunes filles, qui embrassent, Seigneur, la philosophie du monde, ceux qui n'ont pas compris qui pensaient, ils sont capables, Seigneur, faire mixture, Seigneur, des choses du monde et des choses de Dieu. Fais au connaître, Seigneur, au Dieu d'amour, ces deux bagailles, Seigneur, les choses de Dieu, ils ont en aversion aux choses du monde, ils sont incompatibles, ils n'ont pas qu'à marcher ensemble, Seigneur, fais au connaître. Au Dieu, c'est pour leur bien, pour être capable d'embrasser, embrasser parole, embrasser la Bible, embrasser la vérité. Et Seigneur, qu'il y ait une foi qui ferme, Seigneur, dans toutes les circonstances. Nous bénissons, nous exaltons à soi. Seigneur, à vous, merci pour nos frères et sœurs, Seigneur Dieu d'amour, qui chaque jour, Seigneur, disposer la vie pour être capable de chercher, Seigneur, qui a cherché, au Dieu d'amour, approfondi, Seigneur, relation ensemble avec vous, qui a recherché la sanctification, parce que c'est ça où demandez nous, Seigneur, au Dieu d'amour. N'a pas d'autant pour souffler, ouvrir les écluses des cieux, permettre grâce ou capable de tomber avec abondance. Nous prions, Seigneur, pour nos amis, oui, Seigneur, à travers, Seigneur, le monde, ça a coûté nous à travers les États-Unis, en quelques lieux côté Oye. Seigneur, nous prions également pour nos soldats, Seigneur, avec famille, la côté Oye, visitez pour nous. Seigneur, nous prions pour les frères et sœurs qui assoient, sont forme ou sont l'autre, ils sont connectés, bien qui dans social media, bien au Seigneur de l'amour, bien qui dans YouTube, Seigneur, nous demandons tant prix, ça qui dans le téléphone, quel que soit côté, Seigneur, parlez avec eux, Seigneur, tant prix, oh papa, aidez-vous pour être capable de voir la vérité, pour être capable de camper pour la
capable vivre, Seigneur, de la vérité. Pour capable être attaché avec mon Seigneur. Papa, pas quitter, yo séduit par les offres, Seigneur, de l'amour que le monde a fait à eux-mêmes. Parce que Seigneur nous connaît, offre yo. Yo vini, Seigneur, sous toute forme. Seigneur, nous connaît, oh Dieu, Satan, il essaie, Seigneur, ruse pour le capable de séduire le monde. Seigneur, n'a pas de temps pris. Pas bien aimé, yo, yo foi qui ferme, pour yo capable, Seigneur, de l'amour, résister. Seigneur, nous prions, oh Dieu d'amour, pour chaque frère, chaque soeur, faire au songe à soi, yo, c'est un temple pour vous. Un temple, Seigneur, côté où habiter, Seigneur, au Dieu d'amour, fais au Dieu d'amour songer que vous voulez demeurer avec vous. C'est ça fait, Seigneur, où te fait nous connaître, au papa, avant de monter dans le ciel, où te prier, papa, pour te capable de nous, le Saint-Esprit, où te fait nous qu'on ne va pas quitter nos orphelins. Merci, Seigneur, au Dieu d'amour, pour ton Saint-Esprit, Seigneur, au Dieu d'amour, capé nourri, Seigneur, au Dieu d'amour. Notre relation ensemble avec vous chaque jour. Fais-nous grâce. Tendez-nous, qu'aimez-nous, dirigez la vie. Et c'est comme ça, nous allons maintenant pour nous servir pour tout le temps qui vient. Au nom de Jésus-Christ, nous sauver, nous prions. Amen. Nous allons aller faire une deuxième requête. Deuxième requête de prière, nous allons faire. Nous allons demander le Seigneur pour le capable d'ouvrir les yeux. Si là, il y a qui n'a aveuglement, malgré ou dans l'église, mais cœur très éloigné du Seigneur. Nous connaissons mon Dieu remède. Il y a un peu de monde qui a souhaité à pas réaliser mon Dieu remède. Peut-être à cause de circonstances qui frappent. Peut-être, il y a des choses qui sont en train de se faire ou pas. Mais regardez où est l'autre monde. Qui est même. Est-ce qu'il n'y a pas manqué rien? Donc, non seulement il est jaloux contre les gens, mais il vient développer une haine contre mon Dieu, comme si mon Dieu n'était pas parce que mon Dieu n'était pas. Et c'est ça que fait nous avoir un pile de monde qui est dans l'église, qui a couru des choses, les choses du monde. Il n'y a pas réalisé qu'il n'y a pas capable de joindre. Ça a couru pendant ce temps, c'est quitté. Il a quitté les affaires de Dieu derrière pour leur propre malheur. Il a demandé, mon Dieu, pour mon Dieu capable d'ouvrir les yeux, pour Dieu capable d'ouvrir l'intelligence. Il n'a pas de coucher devant le Seigneur avec quelqu'un qui prie ça. Nous ne pouvons pas prier. Même là, il y a des gens qui ne doivent pas parler même pour la vérité, parce qu'on a dit la vérité. Vous voulez aider pour être capable de parler même. Parce que. Sans comprendre, non pas comprendre. Mais en nous demandant, bon Dieu, pour bon Dieu capable, longer mes bâillons, bon Dieu capable, souffler un soleil de délivrance qui va ouvrir les yeux, qui va ouvrir l'intelligence. Il n'est douleur que son cœur ne partage, il n'est fardeau dont il ne me soulage. Les deux pleurs qu'il ne daigne d'aller, il n'est debout qu'il ne puisse guérir. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur. Papa, encore une fois, nous venons devant Pierre. Ou bien nos recommandations pour nous prier une pour l'autre. Ou demandez-nous pour nous prier pour les gens qui ont souffert. Priez Seigneur pour les gens qui ne pas comprendre. Priez Seigneur pour Dieu d'amour, le monde dans lequel nous vivons. Qui Seigneur pas gagne aucun égard pour les choses de Dieu. Priez Seigneur pour les gens. Qui Seigneur au Dieu gagne sa relève en vie pour les choses de ce monde, sans que vous ne réalisiez que les choses de ce monde ne sont pas capables de porter la joie, la caillou. D'ailleurs, parole nous dit, ça t'a servi à un homme. S'il t'a gagné le monde entier, mais t'a perdu un homme.
Or Seigneur, nous vivons dans le monde. Même au milieu, dit Seigneur, secteur chrétien, nous, Seigneur, en pile monde qui a abandonné la foi à la richesse du matériel. Seigneur, ce n'est pas que le matériel n'est pas bon, mais Seigneur, nous connaissons un danger. Lorsque Seigneur a adoré la création au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Assoyez à Seigneur, nous venons dans pied où pour nous demander grâce et faveur pour nos frères, pour Seigneur, nos compatriotes. Seigneur, moun qui te compagnon de genoux, qui te compagnon Seigneur de service nous, je dis à qui a abandonné l'église, qui a abandonné la foi, qui est devenu ennemi, Seigneur, des gens de bien. Nous comprenons que nous vivons dans notre ère, dans notre époque, nous vivons dans notre saison, nous vivons dans notre temps. Seigneur, c'est le temps de la fin. Seigneur, il y a un temps qui est marqué par l'apostasie, il y a un temps qui est marqué, Seigneur, par la calamité. Il y a un temps, Seigneur, qui est marqué par malheur. Seigneur, oh Dieu, nous essayons un temps, côté les hommes à professer, Seigneur, de la haine contre même, Seigneur, les membres de leur famille. Et nous, même dans le pays d'Haïti, qui tout près nous, comment, Seigneur, nous a assassiné famille, Seigneur, ou bien matériel. Papa, nous fait ici tout parce que nous gardons nous comment la cupidité, le Seigneur remplit, Seigneur Dieu d'amour, l'Église, le remplit, Seigneur, des hommes qui ont les têtes, Seigneur, serviteur de Dieu. Nous voyons comment il remplit le cœur, Seigneur, des politiciens. Seigneur, qui croit c'est seulement l'argent qui a besoin. Et si le pays a détruit, ça ne va pas faire rien parce qu'il y a l'argent pour vivre de votre côté. Seigneur, nous vivons côté Waspéa pour nous prions spécialement pour les gens qui sont dans l'Église, mais qui a abandonné la foi. Nous demandons tant pour Seigneur, fais grâce. Seigneur, nous demandons papa, pas un moyen quelconque, pas une circonstance quelconque. Seigneur, nous demandons tant pour frapper entendement yo, pour être capable, Seigneur, faire au Dieu d'amour, un retour à vous-même, un retour à la réalité, un retour à l'évangile, un retour, Seigneur, à l'église côté Otéye, côté Seigneur, nous avons nourri foi ensemble avec nous. Seigneur, papa, nous demandons autant pour faire grâce, pas frapper ou pas malheur, ni par la mort, ni par, Seigneur, de maladies incurables, maladies, Seigneur, au Dieu d'amour terminal. Seigneur, nous demandons autant pour y. Prends au Seigneur, menez au vini. Fais Seigneur, vous faites rencontre à un bagage quelconque. Seigneur, qui peut porter à la réflexion. Pour vous, Seigneur, vous dans mauvais route, vous dans mauvais chemin. Vous sommes mauvaise voie, Seigneur, Dieu d'amour. Pour vous, Dieu d'amour, vous abandonnez la voie qui baille la vie. Seigneur, Dieu d'amour, fais-vous retourner à vous-même. S'il vous plaît, nous prions pour vous. Il y a des prédicateurs qui a souhaité abandonner, au Dieu d'amour, le champ de la prédication par cupidité pour l'argent. Il y a un Seigneur qui a abandonné le champ de la prédication. Seigneur Dieu d'amour, il y a devenu un grand. Seigneur Dieu d'amour, il a embrassé, Seigneur, toute forme dans le monde-là qui est capable d'aider, Seigneur Dieu d'amour, à découvrir des secrets. Seigneur, spécialement, surtout pour ça, il a couru. Seigneur, après des richesses. Nous connaissons un Seigneur Dieu d'amour qui dans l'église qui te qu'on a prêché l'évangile aujourd'hui, cap point point pour être capable, Seigneur, d'être dans l'auto, Seigneur Dieu d'amour, par amour pour les choses de ce monde, même Jean Demas, Seigneur, tu as abandonné ses compagnons pour les choses de cette vie. Seigneur, n'a pas de papa, soyez à temps pour faire grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, touche si là, qui n'a état ça, qui tombe dans situation ça, pour y songer, Seigneur, il y a un bagage à faire face à la vie. L'argent n'est pas capable d'aider. Il y a bien l'argent, mais l'argent n'est pas capable d'aider. Seigneur, car si l'argent est capable de sauver le monde, nous croyons aujourd'hui à nous, tout Seigneur de l'amour qui paye l'argent, nous t'a péri. Et Seigneur, tout le monde qui gagne l'argent, c'est eux qui t'a vivre. Seigneur, si l'argent est capable d'acheter la vie, Seigneur, nous sommes capables d'acheter toute la vie, Seigneur, qui vient sous la terre, même la vie pas nous. Et aujourd'hui à nous-mêmes, nous t'a disparaître et nous-mêmes, nous t'a gagné la vie en abondance. Seigneur, fais-nous songer. Que Seigneur, l'argent pas capable d'acheter la vie, l'argent pas capable d'acheter la santé, l'argent pas capable d'acheter même une seconde, Seigneur, en plus. Oui, c'est vrai, nous avons besoin de l'argent pour nous capables de fonctionner. Mon effet, nous connaissons que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et lorsque Seigneur, au Dieu d'amour, nous attachons à l'amour de l'argent, Seigneur, au Dieu d'amour, n'a attiré toutes sortes de malédictions, parce que Seigneur, n'a au Dieu d'amour, Seigneur, plongé dans le mal, n'a fait tout ça qui n'est pas bon, Seigneur, sans que nous ne nous rendions compte. N'a pas nous assoyons à ton prix.
Pas quitter l'amour de l'argent envahit le cœur nous, mais fait nous songer l'argent, pas loué pour nous, nos maîtres, mais nos serviteurs. Et lorsque Seigneur nous approche avec attitude ça, Seigneur nous connaît, nous va mettre au Seigneur en premier. Nous va bas au Seigneur la supériorité, nous va bas au Seigneur la suprématie, nous va bas au Seigneur au Dieu d'amour la priorité dans toute sa affaire. Et si c'est où qui a priorité, nous connaît quel que soit ça, Seigneur, nous entreprendre, Seigneur au Dieu d'amour avec les yeux fixés sur où n'a réussi. Seigneur, fais-nous grâce. Tant depuis que nous prions pour tous nos frères et sœurs. Nous prions pour les églises. Seigneur, Dieu d'amour, grâce à l'église qui est abandonnée. Seigneur, nous prions pour l'église qui a traversé des crises. Seigneur, Dieu d'amour, dans le moment ça, tant pis, s'il vous plaît. C'est notre providence pour qu'on soit capable d'ouvrir les portes des cieux pour faire bénédiction, tomber en abondance. Seigneur, parce que c'est vous-même qui te dit, Seigneur, par l'amour de ton serviteur, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Nous comptons sur vous, parce que nous connaissons avec vous la prière à mon corps. C'est la prière qu'on a dit, c'est à vous, pas d'empêcher nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. Nous allons faire notre dernière requête de prière. Dans cette dernière requête, nous allons lever devant le Seigneur, pays côté de vivre là, les États-Unis. Donc, nous retenons une semaine pour que nouvelle administration, donc, les prend charge. Donc, et pendant cette semaine, nous ne connaissons pas comment pays a prié. Un seul bagage a prié mon Dieu, puisque Jésus-Christ est notre prince de paix, pour porter la paix dans toutes les circonstances. Pour Jésus calmer la fureur de tout le monde qui est en fureur, de tout le monde qui n'est pas content. Pour une raison ou pour l'autre, pour Jésus capable de mettre le calme. Et nous prions mon Dieu également pour la protection de ses enfants. Et nous t'a souhaité pour tout le bagage passer bien, car nous n'avons pas besoin pour aucun monde victime de aucune situation. Nous prions mon Dieu, nous demandons mon Dieu pour le bail la paix dans les États-Unis, pour les États rester unis. Donc, c'est seul mon Dieu qu'on est capable de faire ça. Nous prions pour la nation d'Israël, qui dans 2 ans, va aller sous 4e élection. Donc, nous comprenons qu'il y a une implication prophétique, bagaille ça a eu, donc par rapport à ce qui a privé dans notre monde. Et ensuite, nous prier pour le pays d'Haïti, et puis pour nous retirer nous dans l'air. À mes soupirs s'inclinent sans l'oreille, lorsque je dors près de moi son cœur veille. Pour toujours mes yeux se fermeront, ses bras puissants au ciel nous porteront. Jour après jour gardé par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur. Papa, ou dis-nous dans la parole, priez pour le pays côté de vivre là. Parce que bien-être pas dépend de bien-être pays. À nous merci, surtout pour nous qui t'es fait dans le pays d'Haïti. Seigneur, il y a un pile parmi nous qui t'es sans espoir, qui n'a jamais espéré que je dis, nous ta citoyens dans ce pays qui est les États-Unis, qui jusqu'au moment où nous vivons là, est considéré comme Seigneur la plus grande puissance du monde, comme également le pays le plus riche. Mais Seigneur, nous-mêmes apprendre de l'histoire que Seigneur, il y a un temps pour chaque bagaille. Et chaque bagaille est content. Oui, la Bible dit nous ça. Il y a un temps pour chaque chose. Et Seigneur, nous connaissons que nous pas vivre dans une période qui est très bouleversée. Et bouleversement pas seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Nous, Seigneur, déjà constaté comment une soi-disant pandémie
le Seigneur vini, il crase l'économie mondiale. Plus particulièrement, il dévaste l'économie des États-Unis. Mais Seigneur, nous réaliser, c'est toujours une classe qui a souffert. Donc, classe pauvre là, t'es toujours pas dans rien. Mais Seigneur, c'est la classe moyenne qui portait toute charge là et c'est lui-même qui a souffert. C'est lui-même qui menace. Et Seigneur, n'importe ça qui gagne, classe pauvre là, a tombé sous lui. Seigneur, et classe basse là, a poussé le monté, il a crasé le dans le temps. Et c'est ça, Seigneur, nous déjà prévoir. Parce que l'histoire, Seigneur, capable d'apprendre comment bagaille est dans le passé. Et Seigneur, si l'histoire se répète, nous ne connaissons pas de différence. Nous venons à ce moment pour nous prier pour pays ça, qui a fait face à des situations inconnues, à des situations imprévues. Seigneur, il y a des prédictions qui font. Seigneur, mais nous, nous pas des analystes. Nous pas des historiens. Et Seigneur, c'est peu de choses que nous connaissons. Seigneur, nous seulement connaissons, ça nous lit, ça nous ouais, ça nous tendit. Mais nous reconnaissons qu'il y a un pile de bagailles qui sont secrets pour nous. Nous considérons comme les secrets de Dieu. Seigneur, nous pensons que c'est les bagailles de la vie que nous-mêmes nous va frapper, nous va prendre, Seigneur, d'amour à l'improviste. Mais cependant, nous connaissons servir un bon Dieu, qui c'est un Dieu prévoyant, c'est un Dieu qui connaît la fin au même moment que le commencement, au point qu'il dit, le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Seigneur, il n'est capable pas de dire nous ça peut arriver, mais nous avons un ressentiment. Parce que nous avons marché avec nous, Seigneur Dieu d'amour, c'est nous qui a averti. Nous avons marché avec nous, c'est nous, Seigneur, qui a avisé. Seigneur, nous avons prié pour faire nos grâces. N'a pas prié au Seigneur pour qu'aimer nous. N'a pas prié pour protéger. N'a pas prié pour protéger le pays les États-Unis. N'a pas prié au Seigneur pour garder le pays les États-Unis contre tout dérapage. Seigneur, sous quelle que soit la forme. Parce que nous connaissons où c'est bon Dieu, Seigneur nation. C'est vous-même qui te dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, celui qui prie et cherche ma face. Seigneur, te dit, ou à détourner, si le peuple a détourné de ses mauvaises voies, Seigneur, du haut des cieux, attendez, ou à pardonner l'iniquité et ou à guérir le pays. Oui, les États-Unis n'ont point que nous besoin de la guérison. Nous besoin de la guérison, Seigneur, dans tous les domaines. Nous besoin de la guérison, Seigneur, dans tous les secteurs de gouvernement. Seigneur, dans le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, Seigneur, côté nous, avec corruption, Seigneur, sous toute forme. N'a pas demandé autant qu'il souple, il y a une réparation. N'a pas demandé autant qu'il souple, il y a une intervention. Et n'a pas demandé sauver le pays. Seigneur, nous étions une semaine au Dieu d'amour pour gagner une nouvelle administration. Seigneur, nous ne connaissons pas qui s'est arrivé au Dieu. À ce nous venons prier à nous-mêmes. C'est vrai, nous c'est haïtiens, mais c'est dans le pays à la vie. Parce qu'on dit bien-être, nous dépendons de bien-être pays. N'a pas demandé au Seigneur, tant qu'il fait grâce. Seigneur, tant qu'il fait grâce, Seigneur. Fais les États-Unis grâce pour nous souple, papa. N'a pas demandé du haut des cieux. Ouvrez, Seigneur, l'éclusion, ouvrez fenêtre. Seigneur, papa, permettre les pluies de l'avant et de l'arrière saison, les pluies de bénédictions capables de tomber en abondance. Seigneur, tant pis, calmez les fureurs, Seigneur de l'amour. Calmez les fureurs, Seigneur de l'amour. Seigneur, défaites les plans, Seigneur de l'amour. Connaît tout mauvais plan, on connaît vers qui ça est orienté. Et nous connaissons même où bien plan parle. Seigneur, et nous connaissons à la fin ces plans pour là qu'a accompli. Seigneur, la prière une fois encore. Prends les États-Unis dans mes mains. Seigneur, nous demandons de protéger le pays. Nous prions, Seigneur, pour tous les secteurs. Même les gens qui ne parlent pas. Ce sont des méchants, ce sont des cupides. Seigneur, nous demandons qui ne parlent aucun égard, ni pour la vie humaine. Seigneur, nous demandons qui ne parlent égard pour l'autre monde. Parce que les gens qui sont riches là, Seigneur, nous demandons, même si le pays est en lambeaux, même si le pays est détruit, ça va aller loin, même si la catastrophe est tombée sur le pays, il y a l'argent. Qui est capable d'aller dans n'importe quel pays. Il y a acheté Island, Seigneur, pour vivre. Il y a même côté pour arrêter, Seigneur Dieu d'amour. Mais cependant, il y a parmi nous qui n'a pas aucun côté pour nous aller. D'ailleurs, pour nous Haïtiens, il y a parmi nous, même la caille nous, Seigneur, nous ne sommes pas capables de tourner. Seigneur, la caille nous, déjà, Seigneur, son champ de bataille, son danger lié pour nous. Seigneur, il y a parmi nous, si nous tournons depuis l'aéroport, il y a qu'on a tourné, Seigneur, il y a bientôt préparé pour manger nous. Seigneur Dieu d'amour, on a prié autant que fais grâce, fais grâce, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, à pays États-Unis. Fais grâce, Seigneur, à ma d'autant plus. Prends contrôle de que volonté on va faire. Parce que nous connaissons leur frappe et bien. Seigneur, les cœurs qui envahissent. Seigneur, leur frappe et bien. Nous dit fais silence, Seigneur. Et tout le monde, Dieu d'amour, a prêté bouche fermée devant. Seigneur, on connaît tout mauvais plan.
Seigneur de l'amour, ou contre tout mauvais plan, ou contre tout mauvais plan, que ce soit au niveau, Seigneur, des gouvernements, au niveau, Seigneur, des différentes branches, Seigneur de l'amour, ou qu'on est complot, ou qu'on est au Seigneur de l'amour. Changez-vous par le Seigneur. Des un groupe, c'est eux-mêmes qui ont souffert. Bon groupe, c'est eux-mêmes qui ciblent. Bon groupe, c'est eux-mêmes qui menacent. Au Dieu d'amour, nous avons fait grâce. Fais grâce. Fais grâce, nous comptons sur vous. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, nous comptons sur vous. Nous prions pour le pays d'Israël, Seigneur. Nous prions pour la nation juive, Seigneur. Nous prions également, Seigneur de l'amour, pour le peuple ça, pour qu'on ça à traverser. Et Seigneur, nous connaissons l'horloge, Seigneur de l'amour. C'est pour une Dieu, Jésus. Au Dieu d'amour. Et c'est vous-même, Seigneur, au Dieu d'amour, qui choisit, Seigneur Jérusalem, au Dieu d'amour, qui vit ça, c'est marche-pied, c'est la ville du grand roi, au Seigneur. Et voilà que tous les ennemis, bien Dieu fixé sous lui, toutes les religions du monde, bien Dieu fixé sous lui, Seigneur. Nous connaissons toutes sont choisies, diable là, Seigneur, pour voir te dire également, Seigneur, au Dieu d'amour, et Seigneur l'a fait tout ça, capable pour le détruire lui. Au Dieu d'amour, nous lever, Seigneur, le pays d'Israël, Barou. Nous connaissons également, Seigneur, des juifs méchants, Seigneur, dans notre monde, qui a fait une bagaille qui n'est pas bon, Seigneur, nous gagnons au Dieu d'amour. Seigneur, ce qui est beau criminel, Seigneur, au Dieu d'amour, nous connaissons, Seigneur, qui Seigneur, impliqué au Dieu d'amour dans toute mauvaise œuvre. Regardez, pour nous, cet homme, Seigneur, qui te gagné au Dieu d'amour dans New York, Seigneur, comme Island Pali, côté Seigneur, il a massacré, Seigneur, qui nous pitié, Seigneur, côté pédophile, il a réuni, il a abusé, Timoun Piti, Seigneur, on a songé cet homme, Seigneur Dieu d'amour, qui était parti avec environ 67 milliards de dollars pour le monde. Seigneur, il est en prison pour nous, mais ça n'a pas dit non, hein? Mais Seigneur, il y a un pile monde qui a gagné l'argent, Seigneur, tout ça, il a gagné qui réduit à zéro. Seigneur Dieu d'amour, nous gagnons sourds, nous gagnons, Seigneur, les hostiales, au Dieu d'amour, monde ça, il n'y a pas gagné égard pour la vie humaine, Seigneur, tandis que c'est même nationalité à gagner. Mais Seigneur, il y a un bagage que nous connaissons, c'est que vous différents de vous. Seigneur Dieu d'amour, et c'est vous-même qui demandez pour nous capables de remettre cette nation. Ou dire en vérité, n'importe monde qui va y avoir de l'eau, on veut de l'eau frais. Seigneur, pas oublier ça. Nous prions pour la nation. Nous prions pour le peuple juif. Nous prions, Seigneur, tant que vous pas en direction. Seigneur, tant que dirigez-vous, orientez-vous. Seigneur, fait nation capable de tourner vers vous-même. Pour capable de connaître vous-même qui veut sauver. Nous connaissons. Il y a cherché salut, Seigneur, dans le monde. Seigneur Dieu d'amour, qui vient pour vivre. Mais Seigneur, fais-vous connaître, c'est vous-même qui vrai, Seigneur, sauveur. 2000 ans passés, vous êtes venus, vous êtes crucifié. Mais Seigneur, vous toujours les bras ouverts. Seigneur, invitez-vous venir à vous-même. Appuyez-vous à cela. Également pour notre pays d'Haïti, qui sont champs de bataille, un champ de crimes, Seigneur de l'amour. Oh papa, côté, famille, à manger famille, Seigneur, assassin, zinglène nous, kidnappeur, Seigneur, au Dieu d'amour, détruit mon âme, détruit jeune fille, détruit mon petit. Seigneur, il a détruit mon homme. Papa n'a pris au pays ça. Seigneur, frappez plus. Nous intervenons, mon Seigneur, dans le pays ça. Changez la situation. C'est là que nous parlons, nous, Seigneur, en théorie, oui. Et c'est là que nous te prenons naissance. Puis Seigneur, t'as pris un mot pour nous. Seigneur, même lorsque nous dans le pays ici, nous avons vivre, Seigneur, mais nous ne sommes pas capables d'oublier le pays côté nous sortir. Encore une fois, nous prions pour le pays des États-Unis. Seigneur, fais grâce. Permettre au soleil de délivrance, capable de lever sur Washington. Un soleil de délivrance, capable de lever sous chaque état. Seigneur, nous ne connaissons pas qui genre de dérapage qu'à préparer. Mais Seigneur, nous remettons tout le bagage dans la main. Parce que nous connaissons en contrôle, Seigneur Dieu d'amour. Oh papa, vous capable de changer toutes les situations d'une façon, Seigneur, tellement claire que tout le monde est capable de déposer quoi en avion devant vous. Pour être vous-même qui agit, pour être vous-même qui intervenir. Parce que laissez-vous qu'à faire, Seigneur, pas faire même avec les hommes. Seigneur, nous comptons sur vous. Fais-nous grâce à soi. Seigneur, bénis pays, alors. Seigneur, t'en prie. J'ai ton regard sous nous. Accordez-nous ta faveur. Seigneur, t'en prie, qu'est-ce que tu nous. Il y a un peu de monde qui est égaré, oui. Mais Seigneur, au Dieu d'amour, ramenez-vous dans la vraie voie, dans la voie de l'éternité, dans la voie, Seigneur, qui mène la caille. Et vous ne pouvez jamais regretter du fait que vous avez accepté pour vous quitter le dans la main. Fais-nous grâce à soi. Seigneur, nous comptons sur vous. Nous prions encore une fois. Bénis l'église de nouveau né de Philadelphie. Seigneur, permette que nous capables toujours nous voir. Car Seigneur, claironner ta parole en temps et hors de temps. Seigneur, fais-nous capables toujours, Seigneur, un channel qui a promoté l'amour. Un channel, Seigneur, qui a déclaré, qui a proclamé l'évangile de grâce, l'évangile du salut, l'évangile de la délivrance, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur,
que menace yo vini, quel que soit ça arrivé, Seigneur Dieu d'amour, que nous pas abandonner notre vocation, pour nous connaître Seigneur d'après promesse pour te faire nous, dans Jean 16, verset 23, où tu dis nous Seigneur, nous va avec tribulation dans le monde, mais c'est pour nous prendre courage, parce qu'on est déjà avec le monde, et merci de vous faire, parce qu'on fait nous connaître, Seigneur Dieu d'amour, sur même, Seigneur qui pied, au Dieu d'amour, vine, nous c'est des serments, pour nous capables de porter fruit. Nous besoin d'être attachés à vous-même. Pas quitter nous détacher, non Seigneur. Tant que vous soufflez, pas quitter nous détacher. Nous voulons être attachés à vous-même. Et ainsi, Seigneur, nous connaissons. On va oser nous-mêmes tout. Seigneur, nous va bénéficier, Seigneur, de l'amour. Oh Papa, de l'eau ça, de l'eau Seigneur, exaltante ça, de l'eau Seigneur, nourricière ça, Seigneur, et nous comme broche, Seigneur, nous va porter des fruits en abondance. Accordez-nous ta faveur, c'est grâce que nous demandons avec le pardon de nos péchés. Au nom et par le mérite infini de ton fils Jésus, qui a vivé, qui a régné avec nous, dans tous les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, chers amis, et n'a demandé nous tant pour continuer à prier. Pas jamais oublier prier pour les États-Unis, pas jamais oublier prier pour Israël, pas jamais oublier prier pour Haïti. Donc, pas qu'on a une prophétie à faire de Haïti, non? Seulement qu'on est en tant que devoir, nous, c'est pour nous prier. Prier pour le pays. Hein? C'est là. Nous t'es fait, c'est là, nos parents nous ont enterré. Prier pour nous. Prier pour le pays d'Haïti. Pas oublier le pays d'Israël. Et pas oublier le pays États-Unis. Bon Dieu te dit, juif, tu es en Babylone. Marié, marié, petit, nous bâtis, car il fait année. Parce que nous, là, pour longtemps. Nous ne connaissons pas. Quelque chose a passé aux États-Unis. Il y a un pile parmi nous qui doit aller, mais retourner, mais nous ne sommes pas capables de retourner. Même si on était en pile juif qui était mort dans Babylone, qui était enterré là. Donc, ma doua, soyez, pas oublier. Mandez mon Dieu grâce. Pour pays, c'est là la vie avec Timonio. Bien-être, pardon. Bien-être, dépend de bien-être. Pays, ça. Que le Seigneur bénisse chacun. C'est ton plaisir, mon privilège, pour nous être ensemble. Et merci du fait que tu prends temps pour nous être capables d'étudier ensemble la parole de Dieu et pour nous être capables de prier ensemble. Zami, moi, avec prier, continuez à prier. À mercredi prochain, encore Dieu voulant, à la même heure. Donc, pour une étude pareille. Que mon Dieu dans sa grâce capable de bénir nous. Et me fait place maintenant à Pasteur Moïse pour les suites nécessaires. Bonne nuit à tous. Amen.